Vous l'aurez compris, tout est fait pour atteindre le sprint maximal. Il a le record de vitesse de pointe à plus de 128 km/h. C'est aussi la plus grosse accélération, il fait du 0 à 100 en 3 secondes, comme une Ferrari F50 ou une McLaren F1. Cette vitesse a un défaut, il ne peut pas la maintenir longtemps. Il n'a pas de mécanisme de sudation comme nous les humains, donc ses muscles vont surchauffer très rapidement. On parle de 20 à 30 secondes de course pleine vitesse, pas plus, avec 20 minutes de récupération. Ça reste largement suffisant pour le bac, puisqu'il emboutera les 500 mètres en 18 secondes. Si on regarde le barème, où toutes les 4 secondes donnent 1 point, ça lui ferait une note de 38 sur 20. Au sprint 100 mètres, c'est encore mieux, puisqu'un guépard nommé Sarah a été calculé à 5,92 secondes, ce qui donne au bac une note de 60 sur 20. Pour rappel, Usain Bolt, avec ses 9,58 secondes, n'était qu'à 33 sur 20.